1956, la Bundeswehr demande un projet pour se doter d'un char de combat moderne pour remplacer ses blindés américains M47 et M48, dans le cadre de prendre un avantage sur le point de vue blindage et puissance de feu, face à la supériorité numérique des blindés soviétiques. Le cahier des charges prévoit que le blindage doit supporter des tirs de 20 mm à courte distance, que le canon peut envoyer des munitions capables de percer 150 mm de blindage avec une dotation de ces munitions suivant la norme OTAN. En 1957, un accord de coopération est signé avec la France en vue de se doter d'un char de combat commun. Accord auquel se joint en 1958 l'Italie, qui supervisera le programme. Des prototypes sont construits, deux allemands et un français. Et entre août et octobre 1963, ils ont comparé à l'avantage, semble-t-il, des prototypes allemands. Fin 1963, l'accord est rompu par les parties, les Français préférant construire leur propre version, qui est la MX-30. Et les Italiens préférant acheter la première version du char M60 américain. Les Allemands appellent alors leur meilleur prototype Léopard, dans la logique du Panthère et du Tigre, pour une production en série fin 1965 qui s'arrêta en 1979. Début de la fabrication de son remplaçant, le Léopard 2. La bataille en Bosnie, qui opposait une unité des forces armées danoises aux bosno-serbes en 1994, a été le baptême du feu du Léopard 1. Le tireur dispose d'un viseur télémétrique TEM-2A d'une base de 172 cm, traversant le toit de la tourelle sur toute sa largeur. Il a une capacité de grossissement par 16. Le TEM-2A peut déterminer les distances comprises entre 400 mètres et 15 000 mètres. La télémétrie peut s'effectuer de deux façons, par coïncidence ou par stéréoscopie. Le premier mode a l'avantage de calculer la distance rapidement. Le second, opérant plus lentement, offre une meilleure précision sur la mesure de la distance. Il a également à sa disposition un viseur télescopique articulé de secours. Ce dernier possède un grossissement par 8 et est gradué avec des lignes stadimétriques. Il est monté dans le masque à droite du canon. Le TRP-2A est un viseur périscopique monoculaire utilisé par le chef de char et pour la détection d'objectifs. Ce périscope panoramique est capable de pivoter sur 360 degrés et possède deux grossissements, par 4 et par 20. Le viseur intègre un dispositif contrarotatif permettant de rester aligné sur l'objectif pendant que le chef de char rallie la tourelle sur ce dernier. Il a également été copié par les Israéliens pour servir sur les premiers modèles de chars de combat Merkava. Sur le Léopard A4, il est remplacé par un nouveau viseur panoramique binoculaire ERI-R12, grossissement par 2 et par 8, afin d'autoriser le tir en marche. Il est stabilisé en site et en gisement. Il incorpore également un intensificateur de lumière de deuxième génération. Un projecteur peut éventuellement être monté sur le masque au-dessus du canon.
le faisceau et la lampe halogène peut éclairer jusqu'à une distance de 1500 mètres. Il peut aussi fonctionner en émettant un éclairage invisible infrarouge pour la vision de nuit. Le moteur diesel à 10 cylindres en V possédant double suralimentation par compresseur. Il développe une puissance maximale de 830 chevaux, un régime de 1200 tours par minute, un couple maximal de 3300 Nm et atteint un régime de 1600 tours par minute. Sa cylindrée est de 37,4 litres pour un poids à sec de 1900 kg. La boîte de mécanisme comprend une boîte de vitesse automatique possédant 4 vitesses en marche avant et 2 en marche arrière. La direction est de type régénérative, à double différentiel et fournit 2 rayons de braquage. La caisse du Léopard 1 est faite d'un assemblage de plaques en acier laminé. Son glacis épais de 70 mm présente une inclinaison de 60 degrés, faisant doubler l'épaisseur à traverser. La tour elle est moulée d'une seule pièce, à l'exception de la partie du toit supportant les deux trappes d'accès. Elle peut recevoir un surblindage. Léopard 1A3 et 1A4 possèdent une nouvelle tourelle, facilement reconnaissable par sa forme angulaire et son masque en pointe de flèche, qui s'explique par la méthode d'assemblage par mécano-soudure. La production en grande série du char Léopard débute le 9 septembre 1965 et s'achève au mois de mars 1979 et comporte un total de 6 lots de production, un total de 4744 exemplaires. Toutes variantes confondues seront produites. La production en grande série débute fin 1965. Un lot de 500 chars Léopard sortiront de l'usine entre fin 1965 et mi-1966. Le deuxième lot comportant 600 chars est produit en juillet 1966 et juillet 1967. Les chars de ce lot reçoivent une petite gouttière attachée au-dessus de la tourelle, tandis que les plaques déflectrices sont installées sur la partie supérieure de la caisse pour protéger le roulement de la tourelle. La prise externe permettant de brancher un casque audio relié au système d'interphone du char est maintenant installée dans un boîtier de forme circulaire monté à l'arrière de la caisse. Le troisième lot comportant 500 chars est produit entre juillet 1967 et août 1968. Les chars de ce lot se diffèrent du précédent par l'ajout d'anneaux de levage montés au-dessus des feux de position arrière et sur le déport de caisse à la hauteur du premier galet de roulement. Le quatrième lot est produit en août 1968 et février 1970. Le persiennage de la grille d'échappement du moteur est révisé. Les entretoises transversales laissant place à des verticales. Les anneaux de levage sont aussi ajoutés. Un certain nombre de Léopard issus du quatrième lot seront produits pour être vendus à des pays étrangers. Pour les différencier du modèle A1, après la mise en service de ce dernier, le char Léopard se verront attribuer l'appellation non officielle de Léopard A0 et ensuite Léopard 1A0 après la mise en service du Léopard 2.
après la réception du quatrième lot par la Bodenswerke, un programme de modernisation fut lancé en 1970 afin d'améliorer l'efficacité au combat du nouveau char de l'armée de l'Ouest allemande. Ainsi, tous les Léopards reçurent un système de stabilisation add-on conçu par la firme américaine Cadillac permettant le tir en marche. Manchon anti-arcure recouvre désormais le canon L7A3. Des jupes latérales constituées de plaques d'acier multiperforées recouvertes de caoutchouc viennent protéger le train de roulement en faisant détonner prématurément les ogives à charge creuse. Les chenilles sont remplacées par des nouvelles à semelles amovibles. Ces dernières peuvent recevoir des crampons en forme de X pour améliorer la tenue de route du char en conditions neigeuses. Un nouveau modèle de Schnorkel lui permet aussi de franchir une coupure humide profonde de 4 mètres en moyennant un temps de préparation. Les dispositifs de vision de nuit du conducteur et du chef de char, fonctionnant par phare infrarouge, furent remplacés par le système de vision de nuit dit passif, fonctionnant par intensification de lumière dénominé BIV. Entre 1975 et 1977, les chars du 1er et 4e lot de production voient leurs tourelles équipées d'un blindage additionnel. Ce blindage rapporté consiste en un assemblage de plaques d'acier de haute dureté montées sur amortisseurs faits de plots de caoutchouc. Le niveau de protection qui en résulte est semblable à celui du Léopard A3. Le surblindage fait passer la masse en ordre de combat à 42,5 tonnes. L'appellation Léopard A1A1 est devenue Léopard 1A1A1 suite à la mise en service du Léopard 2. Sur le modèle 1A1A2, il y est ajouté une caméra de télévision à bas niveau de lumière sur le casque à droite du canon. Le cinquième lot est produit entre avril 1972 et mai 1973. Il comporte 232 chars. La tourelle moulée dispose d'un blindage latéral plus épais. Le modèle A2 est identifiable par la forme des opercules blindés protégeant le télémètre. Ces derniers sont de forme ovale au lieu d'être en forme de cercle. Ce modèle reçut plus tard un nouveau système de filtration NBC. Sur le modèle 1A2A1, il sera ajouté une caméra de télévision à bas niveau de lumière sur le masque droite du canon. Léopard C1 canadien reprend la tourelle mécano-soudée du Léopard 1A3. Les 110 derniers chars du 5e lot reçoivent une nouvelle tourelle plus volumineuse. Sa forme angulaire et son masque en pointe de flèche s'expliquent par la méthode d'assemblage mécano-soudure. Mieux blindée, elle comporte un blindage espacé recouvert d'une carapace faite de plaques d'acier à haute dureté. Par rapport à l'ancienne tourelle moulée, son volume interne est supérieur de 1,5 m3. Le viseur panoramique TRP-5 du chef de char est remplacé par le viseur panoramique TRP-2A, grossissement par 6 et par 20. La nouvelle tourelle du Léopard 1A3 possède aussi une petite trappe permettant l'usage d'une arme de défense rapprochée, telle qu'un lance-grenade. La masse en ordre de combat passe à 42,4 tonnes. Sur le modèle 1A3A1, un ajout de caméra de télévision à bas niveau de lumière sur le masque du canon à droite. Le sixième et dernier lot comporte 250 chars qui sont construits du mois d'août 1974 à mars 1979. Le Léopard A4 reprend la tourelle mécano-soudée du A3,
mais il incorpore un certain nombre de nouveautés dans le domaine des optiques. L'opérateur Tourelle dispose d'un viseur télémétrique EMES 12A1 asservi à une conduite de tir. Ce dernier permet de faire but sur cible mobile. Il est également doté de filtres laser. L'opérateur Tourelle a aussi à sa disposition un viseur de secours monté à travers le masque du canon. Le chef de char possède un viseur panoramique binoculaire, grossissement par 2 et par 8, afin d'autoriser le tir en marche. Il est stabilisé en site et en gisement. Il incorpore aussi un intensificateur de lumière de deuxième génération. Les viseurs de l'opérateur Tourelle et du chef de char sont asservis à la conduite de tir FLER-H, fonctionnant avec un calculateur électronique analogique. Le volume occupé par cette dernière réduit le nombre de munitions embarquées de 60 à 55. La trappe permettant l'usage d'une arme de défense rapprochée et omise. L'appellation A4 fut changée à 1A4 lors de la mise en service du Léopard 2. Le Léopard A4 a une centaine de kilos de plus que la version A3. Un programme visant à étudier les possibilités de modernisation des chars de combat Léopard 1 est entrepris en 1980 dans le but de maintenir leur efficacité au combat au-delà de l'an 2000 grâce à une amélioration de leur puissance de feu. Après des essais comparatifs fin 1983, c'est le viseur EMES-18 qui est retenu face au viseur. En tant que maître d'œuvre, la firme Wegmann s'est chargé de mettre 1225 Léopard 1 issus du premier et quatrième lot au standard 1A5. Les premiers exemplaires sont livrés en Bundeswehr en début de l'année 1987. Le viseur du terreur EMES-18 est dérivé du viseur EMES-15, monté sur le Léopard 2. Il partage donc un certain nombre de ses composants avec ce dernier, tel que le bloc d'optique compris dans la tête de visée. L'ensemble dispose d'une voie jour directe, une voie infrarouge thermique et télémètre laser. Rendu inutile, le télémètre optique TEM2A a été démonté et l'opercule protégeant sa lentille gauche est scellé avec des plaques de blindage circulaires. Le MES-18 est situé devant le poste de tireur à l'avant droite de la tourelle.